go get your money, nigga. I go get your money, nigga. Go get your money, nigga. Go get your money, nigga. C'est dans le cadre de votre émission Urbanite, l'émission qui met tout le monde d'accord. Nous sommes mercredi, deuxième numéro de la semaine. Et comme vous savez, chaque mercredi, cette émission est consacrée spécialement au hip-hop gabonais, au version bleu. 55 minutes de détente musicale, 55 minutes à laquelle vous allez apprécier du bon hip-hop, du bon R&B. Voilà, tout ce qui fait le buzz du hip-hop gabonais, c'est dans cette émission. Ravi de vous retrouver, juste vous présenter l'équipe qui m'accompagne. Voilà, en commençant par l'animateur que je suis, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour toutes ces personnes qui découvrent cette émission, ben, appelez-moi DJ John Duplex, DJ John Duplex et WG, c'est moi. L'équipe qui m'accompagne, la réalisation et la console assurée par David Mutela et bien sûr le cadreur. Lance-moi le kiff depuis là-bas, je vais essayer de faire comprendre que j'ai désormais un cadreur spécial. Voilà, donc j'irai vous donner son kiff après la transition. Donc il n'y a pas de souci. Alors, le numéro de téléphone pour toutes vos dédicaces, pour ceux qui veulent bien sûr faire des dédicaces, envoyer des dédicaces à l'endroit de vos proches, eux aussi connectés, ça se passe sur ces deux numéros affichés au bas de votre écran, 06 13 34 32 et le 07 87 93 20. 06 13 34 32 et le 07 87 93 20. Nous allons parler de plein de choses, hein. Le showbiz gabonais un peu enflammé avec tout ce qui est d'actualité. C'est vrai que j'avais prévu faire un zoom, mais vraiment un zoom sur tout ce qui se passe concernant celle qu'on appelle créole. Mais bon, nous allons revenir sur nos prochaines émissions. Rassurez-vous, vraiment rassurez-vous, il y a beaucoup à dire, mais ça se fera dans nos prochaines émissions parce qu'aujourd'hui, il y a quand même d'invités. En parlant d'invités, nous allons recevoir la première transition, un habitué de ce plateau, j'ai cité bien sûr l'artiste Larix Official que vous écoutez en fond sonore, en exclusivité s'il vous plaît, le son qui passe en fond sonore, c'est le tout dernier Larix Official, donc il viendra nous donner les infos concernant ce nouveau titre. Et bien sûr, pour l'accompagner aujourd'hui, il y a son manager appelé Julien Tidji. Julien Tidji, manager de Larix Official, avec qui nous allons parler bien sûr des soirées qui vont se dérouler du côté du Titanic. Et en parlant du Titanic, nous allons recevoir aussi le DJ Wazamba. Wazabanga, voilà, j'arrive. Wazabanga, donc DJ Titanic. Nous allons parler de la soirée qui va se dérouler ce jeudi à partir de 20h du côté du Titanic, la soirée bikini avec en prestation Kéroscar, mais aussi la soirée du dimanche qui mettra en évidence l'artiste Larix Official. Mais avant, démarrons avec ces trois premiers clips, c'est du rap pour tous les fanatiques du rap gabonais. Voici dans un premier temps. Debs Jiga featuring FING, c'est le titre Mata, suivi de Garcien, Open Tayam et bien sûr avant que j'intervienne, le frangin du côté de Paname, l'homme qu'on appelle Rassou, nous représente le 7-0, c'est le titre L'Aventurier. On apprécie ces trois titres, on se retrouve juste après la transition. Regarde que des paramages qu'on partage avec les enfants. Donc si tu es malin, continue ton chemin. Mata, Mata.
Mais faut du gars, y'a pas débat. Voici le Renoir qu'on attend depuis des mois. Vu qu'on dit que la vie est un combat, je compte sur mes yeux, coups, mon cerveau et mes deux bras. Détrompe-toi, c'est faire de la moula et la seule devise. Cherche la lumière si t'es peu visible. J'ai appris que l'homme est imprévisible et qu'il n'y a pas que la femme et l'argent qui divisent. Brillons, brillons, car il sera tard qu'on viendra le bilan. Lève-toi et bats-toi pour le million. Laisse-les parler, t'occupe pas de leur opinion. Les gens ont tendance à vouloir dénoncer, mais lorsque c'est dur, on a mal à se prononcer. Dans nos têtes, il est impossible de renoncer. Personne n'aimerait finir là où il a commencé. Le vide dans les poches, aider c'est la faille. Avance à petits pas et même si c'est hoche, un jour on quittera le coin. Je me contente de ma place, non plus celle de personne. Personne, personne. Le sommeil dans la night, ceux là qui te font des compliments à gauche, sont les mêmes qui te volent. Plus évident de parler, je suis seul et condamné. Y'a des sens que tu l'aurais parié. Bien sûr, je l'ai fait réditer. Pas besoin de crédit, t'as fait. Je suis loin, je mérite la guerre. Ils nous font tous pour nous faire chier. Normal dans le fait de puyer. Quand la suite gronde, quand le beat tombe, quand l'instant se comble, c'est un bain de sang. Vérifie dans l'ombre, sirène pompe. Le rap francophone closera sa tombe. Pourquoi la terre ronde, pourquoi son boulet rond? Pourquoi c'est ça l'époque quand son présent moche? Mata, foca, foca. Comment faire d'un hit one shot ton classique? Push, push, aider c'est la fight. Avance à petit pas et même si c'est hoche. Un jour on quittera le quad. Je me contente de ma place, non vie celle de personne. Personne, personne. Le sommeil dans la night, c'est là qui te font des compliments à gauche. Gauche, sont les mêmes qui te volent à droite. T'as besoin de crédit, t'as fait. Un jour on quittera le quad. Pourquoi la terre ronde? Pourquoi son boulet rond? J'suis loin, je mérite la guerre. J'ai appris que l'homme est imprévisible et qu'il n'y a pas que la femme et l'argent qui divise. Non, 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 pas dans le fait depuis hier. Mata, 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 mata. Sinon c'est open tire, open tire, open tire,
Pentayam, au Pentayam, dans les PK, au Pentayam, au Pentayam, au Pentayam, au Pentayam, dans les pivots, au Pentayam. Quand on s'amuse, on ne blague pas. Quand on s'amuse, on ne blague pas. Quand on s'amuse, on ne blague pas. Verrouille tes portières, sinon c'est au Pentayam, au Pentayam, au Pentayam. Open Tayam, dans les PK, Open Tayam, Open Tayam, Open Tayam, Open Tayam, dans les pivots, Open Tayam. Yo baby, collectif c'est tapé. Mon négro, j'suis défoncé dans la pendo. J'ai quitté au vando et j'falla le gombo. Alors j'me falla ton ping. J'ai la fin du nien. J'rafale tout Schengen. À tour de rôle, les mers, j'les ken. Au bout du monde, j'reste le même. J'ai la fin d'une hyène. J'ai quitté le bled. N'empêche que j'reste le même. Envie de tout croquer, envie de marquer, envie de baiser, envie de fumer. Être deux spi ou bien défoncé. J'ai niqué le système, pour pas qu'il nous kenne. Comme je l'ai fait avec ta mère, la grosse chien. Ah, j'ai niqué le game, pour pas qu'il nous kenne. Comme je l'ai fait avec ta mère, la grosse chien. Je suis l'aventurier, l'aventurier. Je suis l'aventurier, l'aventurier. Je suis l'aventurier, je suis l'aventurier, l'aventurier. Je suis l'aventurier, je suis l'aventurier, l'aventurier. Je suis l'aventurier, je suis l'aventurier. Allez, boum. Allez good, la Charmanie. Allez good, allez good, LPV. Allez good, allez good, Paris. Allez good, allez good. Ich bin da, ich bin, ich bin da, Ita. J'ai fumé trop de weed et un kilo de cocaïne. Cette année j'arrive dans le game pour faire du beef gars. Sortir de la serre pour nourrir la mifa. J'suis arrivé sac à dos, j'repars trop les deux ros. Oui, j'veux de la Nemo, donc j'rentre dans vélo. Bendo, na bendo, recherché par la Lispo. Accusé d'avoir violé le game comme si c'était Brenda O. LBV c'est le chaos, j'suis payé pour prendre mon pied. Oui, j'vais marquer du pied gauche comme Damélé. J'suis né pour briller, j'suis l'aventurier. Éléphant de la racine, comme Serge Aurier. J'suis l'aventurier, l'aventurier. J'suis l'aventurier, l'aventurier. J'suis l'aventurier, j'suis l'aventurier, l'aventurier. J'suis l'aventurier, j'suis l'aventurier, l'aventurier. J'suis l'aventurier, j'suis l'aventurier. Hey, check this out, this your boy Wad, aka Serious Business depuis Dakar, Sénégal. On est là bien sûr, vous suivre tous les jours, les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h sur la chaîne numéro 1 TVS dans l'émission Urban numéro 1 Urban Hits with the one and only DJ John J Flex, aka Double J. Alright, Wadi vous appelle bientôt à Libreville, Inch'Allah. Stay tuned, we on lookout, West Africa rise up. Voilà, le retour sur le plateau de l'émission Urbanite, l'émission qui met tout le monde d'accord. Juste vous rappeler ce que vous avez pu regarder en début d'émission, juste avant la transition offerte par notre réalisateur David Mikula, mais amené par notre partenaire, l'américain sénégalais Wadi, et son prénom Doumbia Dissou, numéro 1 du showbiz sénégalais. Donc, vous avez pu apprécier le clip entre l'homme qu'on appelle Depth Giga, featuring F.I.G. sur le titre Maka, suivi du collectif du Capé avec Garcin sur le titre Open Time. Et bien sûr, Rassou, le 7-0 représente, même s'il est du côté de l'Hexagone, sur le titre L'Aventurier. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 18h55. Il y a des invités aujourd'hui. Juste vous présenter l'image qui va suivre de notre invité spécial que j'annonçais depuis des semaines.
Il vit du côté du Maroc. Il est entre le Maroc et les États-Unis. Il est bel et bien au Gabon pour 2 semaines seulement. Il va faire une tournée de boîte et bien sûr, il sera là pour confirmer bien sûr sa présence, mais aussi donner son planning de tout ce qui se fera pendant ces 2 semaines ici à Libreville avec le rappeur gabonais marocain Ghost, que je vous amène à regarder en image. Donc vous êtes nombreux, je l'ai annoncé pendant des semaines, il est bien et bien là, l'invité est déjà calé, donc c'est notre prochain invité après le staff des gars qui sont à mes côtés. Donc nous allons parler tout de suite des soirées qui vont enflammer le Titanic. Et bien sûr, pour préciser, le Titanic Carrefour Scénic. Alors, à mes côtés, vous avez le DJ Wazabanga. C'est ça? C'est bon, là je viens prononcer. Ouais, c'est Wazabanga. D'accord. Et le frangin à côté, je te laisse te présenter. DJ Sinclair. DJ Sinclair. Je suis DJ aussi au Titanic. D'accord, super. En tout cas, soyez les bienvenus, les gars. Alors, tu vas jouer le rôle du manager même de la structure. Nous donner les activités du Titanic. Bon, le Titanic est ouvert depuis près d'un an déjà. Nous l'avons ouvert au mois de septembre. Le Titanic Carrefour Scénic, il faut préciser. Carrefour Scénic, oui. Nous l'avons ouvert depuis un an presque déjà, depuis septembre de l'année passée. Mm-hmm. Alors, nous sommes sous la tutelle d'une nouvelle gérance. Monsieur Matt a pris ses fonctions depuis près d'une semaine et demie déjà. Et avec lui, il a amené une bagatelle de concepts que nous allons essayer de mettre en place, histoire de faire en sorte que nos clients, c'est-à-dire les réguliers comme ceux qui viendront par la suite, trouveront encore le point encore plus attrayant que nous le faisons déjà. D'accord. Ok. Et pour cela, vous avez mis en place 2 concepts. Ça, c'est deux concepts pour démarrer déjà d'abord les hostilités parce que nous sommes sur une logique de plusieurs shows que nous allons organiser pour la fin de ces vacances. D'accord, pour la fin de ces vacances. Donc, c'est même la question que je voulais te poser, que c'est un peu trop serré vu que nous approchons vers la rentrée scolaire et je sais que beaucoup vont commencer à se concentrer sur la rentrée scolaire, les fournitures et autres. D'accord, mais vu qu'il reste encore un large temps, parce que nous sommes toujours en vacances, ça veut dire, la rentrée scolaire, la rentrée administrative, je pense, c'est octobre. C'est pas fin septembre. D'accord, ok, ça marche. Donc, si tu nous parlais de la soirée de demain. La soirée de demain met en lumière l'artiste que tout le monde connaît déjà, Kiroska. D'accord. Qui sera avec nous ce jeudi 9 septembre à partir de 22h30 pour une prestation de taille, comme lui-même il a dit. C'est qu'on n'a pas eu le temps de vous balancer le teaser. D'accord. Il n'a pas pu être présent ce soir parce qu'il n'est pas à Libreville. Il n'est pas encore arrivé. Ouais, il sera là normalement ce soir ou demain très tôt le matin. Donc, il sera accompagné de Big Rodolphe. D'accord. Et voilà, c'est la soirée bikini. Il y aura des filles en culotte injection 360 extrême, voilà. Et conso offerte aux 12 premières filles. Faut d'accord, préciser, aux 12 premières filles. 12 premières filles, conso de leur choix. D'accord. C'est Monsieur Matt qui gère l'affaire. Waouh, c'est chaud devant. 12 premières filles donc et les conso de leur choix. Les 12 premières filles qui vont effectuer du placement auront droit à cette consommation. Une conso. De leur choix. Cocktail, peu importe, c'est une consommation qui va dans les 17 000. TGV, pyramide. D'accord, ça marche. Donc on rappelle que la soirée à ne pas rater, ce sera demain à partir de 22h30. Voilà, donc ce jeudi 6 septembre 2018 à partir de 22h30 du côté du Titanic 6 au Carrefour Scénic au 22. Voilà. Plus précisément au Grand Stade. Au Grand Stade. Donc l'artiste en prestation, l'artiste invité pour demain n'est tout autre que l'artiste Kiroska avec son hit Bébé en rentre. J'espère que beaucoup pourront rentrer aussi avec ces filles qui seront vêtues de ces. Chacun comme à la pêche, on dit. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la soirée de jeudi. Ouais. Alors, DJ Sinclair, la forme. Quelle ambiance pouvons-nous retrouver du côté du Titanic? Ça, c'est une. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a tellement de snacks et beaucoup c'est plein. Non, mais quand tu pars dans les snacks, on a l'impression que c'est la même playlist, c'est la même musique. Est-ce que le Titanic essaie de marquer la différence? Bon, ça c'est une très bonne question parce que bon, toi et moi on se connaît très bien, bien parce sûr, que tu es quand même un grand frère, nous avons suivi tes pas. À l'époque tu travaillais au Bomba Pro avec, je savais au passage, au grand Ernest DJ. D'accord. Moi j'ai toujours voulu faire comme vous. Je crois qu'à chaque fois j'essaie de marquer la différence de mon côté, moi personnellement, moi, c'est même ça. Super. Et je ne me focalise pas sur une tendance. Comme je dis toujours, je fais The World Mix. Je tourne, je vais partout, etc. Super. etc. Donc c'est vraiment l'ambiance qui rime au Titanic. Super. Et
c'est un cadre assez restreint, d'accord, réservé, c'est pour des gens responsables. Ouais, responsables. On n'accepte pas, voilà, on n'accepte pas n'importe qui là-bas. D'accord. Voilà, sauf que bah, on sait comment il faut se comporter à Libreville. Mm-hmm. Et les prix sont assez accessibles, c'est les mêmes prix que partout, pour ne même pas dire assez léger. D'accord. Voilà. On espère voir le grand Don G Flex demain. Non, non, ça je confirme. Non, ça je confirme. Je vais effectuer des placements. Ouais. Et il n'y a pas de souci, on va passer une très belle soirée. DJ, tu as quelque chose à dire quand même avant d'appeler nos autres invités sur le plateau? Non, personnellement, je suis juste là pour confirmer ma présence aussi. D'accord. Ça va faire un show, essayer de faire quelque chose de bien. Quoi. D'accord. Mettre vraiment les gens à l'aise. Que quand ils sortent du Titanic demain, ils disent oui. On a dansé, on a vibré. D'accord, super. Donc on rappelle que vous êtes les deux DJ du Titanic. Ouais. D'accord. DJ Wasabanga. D'accord, ça marche. Ok, alors là nous avons parlé de la soirée de jeudi. Dimanche, c'est autre chose. Dimanche, c'est tout feu, tout flamme. Parce que le gars qui va prester dimanche, bon, vous connaissez déjà, hein, Vous connaissez déjà. Donc du coup, je vais appeler Larix Official. Voilà, Larix Official. Non, non, toi tu restes là, s'il n'y a pas de souci. C'est une émission hip-hop, on n'a pas besoin de... Voilà, salut Fanny. D'accord, ok, tu vas prendre la place là-bas, du côté gauche. Voilà, le manager, si tu peux venir. On va demander au DJ du Titanic, tu peux t'asseoir à côté, il n'y a pas de souci. On va attendre les autres. D'accord, ça marche. Alors les gars, parlons-nous de la soirée du dimanche. Alors là, vous avez le manager Julien Julien Tidji, voilà, manager de Larix Official. Et bien sûr, bon, lui là, je ne présente pas. Ça, c'est chez lui. D'accord. Alors, je te donne la parole. Tu nous donnes déjà le nom de la soirée du dimanche et tout ça, et après je vais m'entretenir avec La soirée du dimanche a pour thème hawaïen, avec Anguk, la star que tout le monde connaît déjà, Larix Official, qui a bien accepté de, sur un coup de fil à l'improviste de la dernière minute, il a quand même réussi à libérer son planning pour nous donner sa confirmation. Pour tous ses fans qui ne l'ont jamais vu en prestation au Titanic, on remercie encore Monsieur Matt, on remercie Larix Official pour la disponibilité et pour le sérieux dont il fait preuve, parce qu'il avait un planning aujourd'hui, il a bien accepté d'être présent pour ses engagements. Donc c'est la soirée hawaïenne, et on précise que pour cette soirée, tous les clients auront droit à une couronne de fleurs. Oula, ça va déjà, voilà. D'accord, ça marche. Et c'est le même concept, il y aura encore pour ce dimanche, toujours une conso aux 12 premières filles. Aux 12 premières filles. Ouais, toujours. D'accord. Une conso de leur choix. Donc venez mesdemoiselles. Bon, enfin, quand on dit une conso aux 12 premières filles, c'est les filles les plus jolies, les plus sexy. Voilà, parce que la reine, c'est quand même un beau garçon. Ouais, le make-up, le make-up. Vous avez dit les 12 premières. D'accord, ça marche. Là, c'est official. Dis-nous tout. Dimanche. Parce que quand on écoute déjà ce qui passe en France sonore, là, c'est mauvais. Ouais, ce qui passe en France sonore, c'est l'exclusivité. Si tu les pardonnes, moi, c'est sorti il y a juste quelques jours. D'accord. Voilà, donc venez ce dimanche parce qu'on va vraiment faire la fête ensemble. On va s'amuser, on va se lâcher. On va danser. Voilà, l'entrée, elle est gratuite. Donc, c'est l'occasion de venir me découvrir en live. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de me voir prestant en live, parce que le plus souvent, on me voit sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, je serai même là du côté du Titanic d'Ovando. Et il faut bien préciser qu'il ne s'arrive pas tout le temps de voir la rive officielle du côté d'Ovando. C'est la plupart du temps à Libreville, à l'intérieur, mais là, ce serait du côté du 7-0. Voilà, les gars, les frangins, venez, parce que c'est en mode tapoyo, c'est en mode bébé. Moi, je peux te tromper. Mais le jour où toi, tu oses le faire, ma petite, tu es mort quand même. Il y a tapoyo, il y a le type pardonne-nous, alors venez découvrir de nouvelles tueries, c'est bien sûr. Vous n'allez pas regretter. D'accord, ça marche. Alors, hormis les titres que les gens connaissent déjà, et hormis celui qui passe en France sonore, il y a deux titres à... Bien sûr, en exclusivité, c'est le Titanic, c'est la famille. D'accord. Donc, je me dois le sortir. D'accord. Ne vous inquiétez pas, vous serez sage. D'accord, ça marche. Alors, le manager. Ouais. Tu nous dis quelque chose? Donc, ce qu'il faut juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Laurent, c'est que...
Là, c'est une occasion pour ces fans qui sont du côté donc, de Vando, voilà, de bénéficier encore une fois de plus de ces musiques. On fait également dans le cadre de la tournée promotionnelle de son nouveau titre. D'accord. Voilà, pardonne-moi, qui passe là en fond sonore. Donc, on va remercier les partenaires, on va remercier déjà vous en première position. On remercie les frangins, tout le staff du Titanic pour cette invitation. Comme on disait, c'est un artiste qui est toujours disponible pour ses fans. Voilà pourquoi, à la dernière minute, malgré le programme qu'on avait, il a répondu présent. Juste pour donner la possibilité donc, aux fans qui sont du côté de Fando de bénéficier de ces équipes que vous avez connues. C'est une suite logique, quoi. Après, l'histoire compliquée, aujourd'hui on tombe sur Pardonne-moi. C'est ça aussi la musique. C'est pas seulement la danse, mais derrière il y a un message. Il faut cerner. Et voilà pourquoi je félicite, voilà pourquoi j'encourage, et voilà pourquoi je suis toujours avec la reine, parce que au-delà de l'aspect festif, c'est quelqu'un qui sensibilise à travers ses mélodies, à travers ses écritures. Donc, quoi d'autre ajouter? Ramenez-vous donc dimanche. On va se passer du côté du Titanic, le Titanic est situé donc au Carrefour Sydney, juste là au Grand Stade. Tout le monde connaît l'emplacement parce que c'est le Grand Stade. Voilà. Donc dimanche, soyez là présent et vous aurez beaucoup d'exclusivité, beaucoup de surprises. D'accord. Ok, avant de vous libérer, tu vas donner le numéro de téléphone pour voir la s'afficher à la station, bien sûr, le numéro du Titanic. Là, nous avons un autre artiste, DJ. Je vous présente celui qui va passer le jeudi avec Pierre Oscar, c'est Big Rodolphe. Il a eu quelques petits légers contre temps. D'accord. Voilà, c'est Big Rodolphe qui va. D'accord, Big Rodolphe, c'est un petit mot quand même. Dis bonjour téléspectateurs. Je salue d'abord la joie du côté de dire à la population de Bégalé de venir. D'accord. Ok, tu vas faire le fait. Donne-nous quand même un titre. Akalizer. D'accord, ça marche. Alors, numéro de téléphone, pour l'occasion, de vous numéro sur lequel les gens peuvent avoir la règle sur la prestation. C'est le bien à base de la règle, donne-leur un numéro. Bon, donc le manager lui-même il va y aller, voilà, parce que vous savez, il y a trop de choses dans la tête, donc après c'est pas mon numéro privé, donc c'est un numéro de travail, quoi. Donc, okay. Pour avoir la reine officielle, c'est simple, appelez le 02 61 11 78. Je récapitule, 02 61 11 78. D'accord. Vous avez la reine officielle, même s'il faut aller où, on est là. Pas pour le mariage, en faut aussi. Non, mais on va aller à la gare. Après la gare, là-bas, on peut changer juste de voiture. À la gare, ça va. Dans la petite, là, je ne veux pas appeler là-dessus. D'accord, ça marche. Donc, tu peux ce qu'il ne faudrait pas rater pour le jeudi et pour le dimanche. Ben voilà, venez nombreux. Venez, on va faire la fête, comme d'habitude. Tous ceux qui connaissent le DJ Wazabanga, qui connaissent le Titanic au Vindo, ils savent très bien que moi, c'est toujours ma banga pamba pamba, c'est toujours chaud, je représente toujours. Donc, c'est pour les réservations. Pour les réservations, pour voilà, le numéro de téléphone, c'est le 04 67 01 39. C'est le numéro de Monsieur Matt, le responsable, son altesse, son excellence. Voilà. Comme il aime bien qu'il aime bien qu'on l'appelle. Voilà. Et voilà, on dit c'est ça commence ce jeudi. D'accord. Ça commence ce jeudi et ça termine dimanche en beauté avec Larynx Official. C'est n'est que la première série d'une longue série de shows qui seront organisés au Titanic au Vindo, rien que pour notre clientèle. Bien sûr, super. Tout en espérant qu'il y ait un gros partenariat tout là, le Titanic et TVS. Tu profites de l'occasion, même tu m'enlèves les mots de la bouche. Il n'y a pas de souci. Ok, donc sur le plateau, nous avons reçu des artistes. D'abord, Larynx Official qui n'est plus à présenter, qui vous donne rendez-vous le dimanche, du côté dimanche de cette semaine, du côté du Titanic pour un showtime. Un showtime. Voilà, le 22, parce qu'il y a deux Titanic. Donc Titanic de 22, ce dimanche à partir de 22h, entrée est gratuite. Entrée gratuite. D'accord, ça marche. Tenue correcte, exigée seulement. D'accord, et bien sûr, devant moi, le manager de Larynx Official, lui c'est Julien TG. Yes. Voilà, ça marche. Ouais. DJ Wazabanga, merci. Tout en espérant revoir ici. Forcément, c'est pas la première fois que je viens. Donc, à chaque fois, quand tu as du temps, tu m'invites. Il n'y a pas de souci. Je pourrais toujours la télé aussi. D'accord. Alors, Big Rodolphe, on va commencer à dire.
À jeudi, ouais. Demain. Alors, pour accompagner nos invités, recevoir le rappeur Ghost et ses personnes, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je dédicace déjà à mon petit tout à l'heure qui a presté là, Garcel Agasta, depuis Fougamou, le 7KP représente. Je dédicace mes grands frères Berland, Franck, Mademoiselle Muriel, ils sont trop nombreux, on s'arrête là, c'est mieux. Et vous rassurez, hein, chers téléspectateurs, parce que là, le manager va conclure avec son artiste, voilà, que vous pourriez avoir le son même, le son qui passe en fond sonore, dans la rubrique Zoom. Comme vous le savez, Urban est une rubrique qui consiste à vous faire diffuser, à vous faire découvrir des sons non clippés. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Voilà, vous pourriez avoir l'image de Larry Sofichal sur son nouveau son. Pardonne-moi. Merci. C'est ça que c'est un truc que je voulais dire aussi à une. Non, salut tout le monde. J'allais faire ça. Non, salut toutes les toutes celles qui sont connectées, plus particulièrement les fans de Larynx. Mm-hmm. Merci pour le soutien, parce que c'est grâce à ces fans qu'il y a toujours l'inspiration. Mm-hmm. Et pour ceux qui veulent avoir Larynx, je récapitule, c'est 02 61 11 78. Vous avez Larynx au bout du fil. C'est un numéro qui n'est jamais fermé, même quand il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de souci. Ok, pour accompagner nos artistes, nos invités, nous allons repartir en musique avec un titre de Big Bro, Romantica. C'est le titre Quand, ding ding ding. Suivi de Rémi sur le titre Pornographique. Et bien sûr, Koba Building sur le titre 10 ans. On apprécie cette partie, on se retrouve juste après. Yes! Morim ka ding ding ding, kan ding ding ding, kan ding ding ding. Hey, tu ne vas pas me croire, c'est là le bébé du soir. Quoi moi ni ma télé ou la nyuru ka ding ding ding. Assis au comptoir, bas du bout, tu ka humama la bouane, la mukani, la ginengo, la girel. Bwandi bwandi le mamoni gutaga nesu salam akabogilas kanuba bemba nango nukubonga saka kwa mugoli nukufini na yanti na nukubaga nani berambuga moshere bembembe wa wuluka tsangwa mukare tombembe mbanyala mugisya yulu tsangu tino tsakubeki nganyo mambu motu mana maduveki nganyo je refuse cette fille au mani quand tu ne peux pas oh elle est tellement belle quand elle bouge son bungayo je crois que je lui plais car elle m'a givé son nom mao juste un faux pas je crois qu'on va go en caso mais tu me parles de qui Kandi, 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 Kandi. Je suis Ndolo Pagalo bigouye doua bisoumbika gumbolo Go de la comporte à Wamuro ni faut que tu bailles Aïe Tika tia me nyabegi Nes ndagu nyarumbi Nes kusumbolo tu nyasumbi Nes biburu biandu nyabegi Doli una una mwana nye Nyambi nyambi nyagulia nyabengu na dumbweli la Kanda tisika nyamubegi gunda bo Yulu tangu tine chakubegi nganyo C'est le genre de m'gawa couvé Gingagno. Je refuse cette fille au mani que tu ne peux pas oh. Elle est tellement belle quand elle bouge son bungayo. Je crois que je lui plais car elle m'a givé son nom mao. Juste un faux pas, je crois qu'on va go en caso. Mais tu me parles de qui? Kandi, 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 Kandi. Je refuse cette fille au mani quand tu ne peux pas oh. Elle est tellement belle quand elle bouge son bungayo. Je crois que je lui plais car elle m'a givé son nom mao. Juste un faux pas, je crois qu'on va go en caso. Mais tu me parles de qui? Kandi, Kandi, Kandi. Tá bom.
Facebook. On voit tes fesses et tes fils. Oh, yeah. Tu te fais appeler Mélodie. Oh, yeah. Tu fais de la pornographie. Yeah. Yeah. Tu dis que Miss Univers. Yeah. Tu nous montes tes strings et ta life. Oh, yeah. T'es une grosse bombe masquée. Oh, yeah. Tu fais de la pornographie. Yeah. Baby girl, don't leave me. I wanna fuck you every day. I wanna fuck you every year. Like a super bee. Baby girl, don't leave me. I wanna fuck you every time. I wanna fuck you every year. Oh yeah, oh yeah. Tu fais de la pornographie, yeah. Pornographie, t'es une grosse bombe, girl. Pornographie. Tu fais de la pornographie, yeah. Pornographie, yeah. I wanna live this life with you, girl, tonight. Baby girl, dance for me tonight. I wanna touch you, just you today. In the club, you my vibe tonight. Please, girl, don't leave me tonight. Oh, my baby, make a jump for me. I wanna shine with you, my lady. And I'm waiting, yeah, for you. Baby, girl, dance for me tonight. I wanna touch you, just you today. In the club, you my diva tonight. Please, girl, don't leave me tonight. Oh, my baby, make a jump for me. I wanna shine with you, my lady. And I'm waiting. Personne n'imagine l'adversité qu'une rose affronte pour naître du bitume. Building baby. J'avais le seum après mon court séjour en prison. Les barrières je les surmontais en les brisant. Pas de seconde chance de faire une première bonne impression. J'suis là pour longtemps, on en reparlera dans 10 ans. Je n'attends pas que le succès me catapulte. Trop de bâtards préconisent ma chute. Black Fear, pas de Naïm, elle est dans le fut. Par terre, les négros ont posé leur huc. Je connais pas la loose, guidé par la lune. Je suis comme Looney, Zaga 5-1. Je fais exploser le baromètre. Tous les gorilles ne sont pas de G-Unit. Mon esprit est ghetto à vie. Jusqu'à la mort, je fais saigner la rime. Je reviens des abîmes, le regard froid et humide. Comme les filles de Russie. Je redonne un sens à ma rap musique. À des années-lumière de ta trappe de merde. Koba Building, le seul est unique. Noir et physique, ouais, je vous emmerde. Oui, je vous emmène. De la fierté dans le mood. De la fierté dans le hood. Ce n'est pas moi qui suis trop dur, ma gueule. C'est ton gars qui est mou. Tu achètes mon CD, tu m'écoutes. Et tu crois qu'on se connaît, connaît. Si tu me cherches, tu me trouveras seul au sommet. Hein, hein. J'avais le seum après mon court séjour en prison. Les barrières, je les surmontais en les brisant. Pas de seconde chance de faire une première bonne impression. J'suis là pour longtemps, on en reparlera dans 10 ans. 10 ans que j'suis venu pour faire du salut. On en reparlera dans 10 ans. 10 ans que...
Hey, check this out, this your boy Wadi, aka Serious Business, depuis Dakar, Sénégal. On est là, bien sûr, vous suivre tous les jours, les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h sur la chaîne numéro 1 TVS dans l'émission urbaine numéro 1 Urban Hits with the one and only DJ John J Flex, aka Double J. Alright, Wadi vous appelle bientôt à Libreville, Inch'Allah. Stay tuned, we on lookout. West Africa, rise up. Voilà, c'est l'ambiance qui règne, hein. Voilà, c'est l'ambiance qui règne, même l'invité attendait déjà dans le bain. Bien, alors, de retour sur le plateau de l'émission Urbanite, l'émission qui met tout le monde d'accord, diffusée le lundi, le mercredi, le vendredi entre 18h et 19h, et diffusée le mardi, le jeudi entre 9h et 10h, et le samedi à minuit. Donc, vous avez pu apprécier, dans un premier temps, l'homme qu'on appelle Big Ro, romantique, à ce titre Kadim Bingbing, suivi de Rémis, le titre pornographique, de Rémis que vous avez connu, avec le titre My Girl ou encore Sweet Morning. Et aujourd'hui, je viens avec ce nouveau titre pornographique. Et bien sûr, Koba Building, le titre 10 ans. Les numéros de téléphone pour toutes vos dédicaces, ça se passe au 06 13 34 32, 06 13 34 32 et le 07 87 93 20, 07 87 93 20. Avant de trop tchatcher, avant de aller même au vif du sujet, vous le savez, Urbanite est en train de regarder la charité gabonaise, donc tout ce qui concerne le hip-hop gabonais. Et comme je disais en prélude, nous allons revenir avec ce qui fait un peu la une de l'actualité ici au Gabon, ce qui concerne Créole et tout le reste. Vous êtes nombreux, j'ai lu vos messages. Rassurez-vous, la semaine prochaine, nous allons mettre un accent là-dessus, surtout dans la rubrique Zoom. Mais avant, je l'ai annoncé. Pendant des mois, vous êtes nombreux à apprécier sa musique, son style de rap, son flow sur des hits énormes. Beaucoup l'ont pris pour un ricain, ou encore beaucoup le prennent pour un américain. Donc il est bel et bien sur ce plateau. Il est à ma gauche, l'homme s'appelle Ghost. L'homme s'appelle Ghost. Tu boy Ghost, on est toujours celui là. Yeah, il est là. Le Gabonais est là, il est sur le plateau. Il a été très attendu, Ghost. Sois la bienvenue. De retour au pays d'ailleurs, au bled. Bien sûr, il fallait bien. À ça. À un moment donné, le John Jay, il faut. On taffe. On travaille sur le terrain. Ouais, super. En tout cas, tu es sur le plateau, on t'a attendu, on t'a annoncé pendant plusieurs mois, aujourd'hui des semaines. Tu es bel et bien là. Tu vas nous parler, tu nous diras tout concernant Ghost, concernant ce fantôme-là, les gens kiffent grave. Alors, Ghost. Parle-nous de toi, parle-nous de toi. D'abord, te présenter le public gabonais qui te regarde. Ben écoutez, tu vois, Ghost, ça fait plaisir d'être au pays. Yeah. Ça fait plaisir d'être avec John G, toute la team. D'accord. Ngozo Pro toujours. Opérationnel. Everywhere we go, we put in our business. Yeah. Donc voilà. Écoutez, très jeune rappeur, gabonais, de mère marocaine. D'accord. Et bien sûr, en parlant, je fais des études, mais bien évidemment. Toujours dans la musique. Mm-hmm. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, après tant d'années, aujourd'hui, grâce à ces différents titres, beaucoup de personnes ont pu te découvrir. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi d'abord tant d'années dans l'ombre, aujourd'hui, paf, tu as décidé d'exploser? Écoutez, c'est, on va dire, c'est un travail de pratiquement aujourd'hui 9 ans à d'accord. 10 ans. D'accord. Et bien évidemment, il fallait rester dans l'ombre pour se peaufiner, pour se peaufiner, faire le maximum de travail. D'accord. Pour que le public puisse recevoir quelque chose de quand même concret. Oui. Mais pas qu'on fasse toujours la même gamme, pour au moins qu'on puisse changer, pour qu'on puisse faire sortir un peu les gens du pays, que c'est possible, qu'on puisse mettre la musique du Gabon à un niveau. D'accord. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et il fallait vraiment se cacher pour. De toute façon, les meilleures choses se font en se cachant. D'accord. Alors, penses-tu que, étant. Tu n'es pas dans ton pays, tu es du côté du Maroc, là-bas, penses-tu que c'est mieux? Tu as plus de chances de vraiment mettre la musique gabonaise en haut. Alors, parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, n'arrive pas à comprendre. Nous avons de très bons artistes au Gabon, mais pourquoi la musique gabonaise n'arrive pas à dépasser les frontières, comme un peu la musique nigériane, ghanéenne aujourd'hui, qu'on ne peut pas citer. Mais les Gabonais, ont des talents, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils donnent? Alors, est-ce que toi, tu as tenu compte de tous ces aspects-là, tous ces paramètres-là pour pouvoir... Bien sûr, on réfléchit à beaucoup de choses en tant qu'artiste. D'abord, représenter son pays à l'extérieur. D'accord. Mais il faut que les gens comprennent que ce qui est difficile, c'est lorsque
le peuple ne donne pas la force qu'il faut. D'accord. Parce que c'est le peuple qui s'occupe de la montée de l'artiste. Mm-hmm. Même s'il y a tout un travail derrière, mm-hmm. mais il y a un autre travail. C'est comme mm-hmm. un ennemi, ça s'attire. Mm-hmm. Bien sûr. Donc il faut absolument que le peuple puisse réagir favorablement bien sûr. À ce qu'on leur propose. Mm-hmm. D'accord. Et bon, suite à ça, voilà, on est là pour ça et on espère que le peuple va se réveiller. Mm-hmm. Je suis là, s'il vous plaît. Il est là. Oui. Il est là. Nous allons évoquer ça parce que il a. On va rappeler que tu n'as pas trop de temps ici à Libreville. C'est vrai, donc le peu de temps que tu feras là, j'espère que. Ça va se passer dans des bonnes conditions. Mmh. Et du coup, on ira, on va traverser tout ça. C'est vrai qu'il ne nous reste plus trop de temps dans les contacts et autres pour essayer de donner un calendrier par rapport à tes différentes prestations. Mais avant, comme vous le savez, chaque deux semaines, nous avons une tuyerie. Une tuyerie, donc le son le plus diffusé sur l'émission Urbanit. Et la tuyerie de ces deux semaines n'est tout autre que l'homme que vous voyez à ma gauche, Ghost, avec le titre Boom Shakalaka Everywhere We Go. Voilà, il a tout dit. Apprécions la nouvelle tuerie de l'émission et Urbanit, on se retrouve juste après. C'était la tuerie de l'émission Urbanit, l'émission qui met tout le monde d'accord. Je tiens à rappeler que la tuerie fait deux semaines. C'est deux semaines. Vous avez un clip gabonais tous les trois jours de diffusion de l'émission Urbanit, sans compter bien sûr les jours de la diffusion. Donc ça fait six jours de diffusion sur sept. Voilà. Parle-nous de ce titre avant de nous parler bien sûr de 24 ou encore Apocalypse, qui est mon titre préféré. Hein. Ça, je l'ai dit. Apocalypse, c'est. C'est du lourd. Mais alors, écoute, parle-nous d'abord de cette vidéo, de ce titre. Boom Shaka, c'était vraiment compliqué à expliquer. Parce d'accord. que c'est un clip que j'ai fait avec beaucoup d'amour. Parce bien que sûr.
c'était une période où tout allait bien. D'accord. C'est juste là ces vacances, tout s'est bien passé, mes examens sont bien passés. Donc j'étais dans une joie et j'ai voulu réunir tout le monde. J'ai voulu vraiment réunir tout le monde. Et suite à cela, voilà, le titre est venu, l'inspire est venu. Boum chaka, boum chaka, tout le monde peut l'interpréter comme il veut. D'accord. Si c'est la go qui est sexy, qui veut bouger, tout ça, bouger, bouger. Voilà. Si c'est autre chose, fun et tout le tu reste. Vois, après d'accord. Le peuple fait sa décision, mais bon, c'était dans cet élan. D'accord, il n'y a pas de souci. On met un peu de joie dans les foyers. Sûr. D'accord, ça marche. On rappelle que tu es signé dans un label implanté ici au Gabon. Bien sûr. Et si tu nous parlais du label, comment ça se fait, comment vous gérez les productions et tout le reste, ben, sachant bien que tu n'es pas ici à Libreville. Bien sûr, déjà, je tiens à remercier tous les membres du label. Parce que c'était super important, il y a eu une prise de contact, ils ont vraiment vu le potentiel et ils ont vraiment donné leur cœur dans le travail. Donc suite à ça, on est resté beaucoup en contact et après, mon manager, Junior Obezo, a vraiment tenu à ce que les choses se concrétisent. D'accord. Donc on est passé automatiquement en mode planning, on va essayer de faire en sorte de tout prendre. D'accord, super. Ok, alors on rappelle que tu es ici pour 2 semaines. Est-ce que aujourd'hui, c'est, en fait, le temps que tu es là, c'est possible d'avoir Ghost en prestation pour ces 2 semaines? Est-ce que tout est déjà peaufiné, tout est déjà arrangé? Écoutez, je suis tout à fait disponible. D'accord. Je suis là pour 2 semaines. Donc, je suis disponible à toute proposition. À toute proposition, oui, parce que. Quand on voit l'allure du rappeur, il sait que beaucoup peuvent cogiter que là c'est un gros cachet, il pourrait être taxé. Mais tu connais un peu les difficultés du pays et tout normal, ça, donc voilà. Forcément. D'accord, ça marche. Ok, ça marche. Donc juste avant la fin de l'émission, je vais vous donner les numéros de téléphone sur lesquels vous pourrez avoir ce rappeur gabonais en prestation. Venons au titre Apocalypse. Apocalypse, qui est un titre vraiment que j'apprécie beaucoup énormément. Voilà, on rappelle que c'est sorti cette année, non, 2018. Ouais. 2018. Alors comment tu arrives à respecter le timing? Après une apocalypse, un mois après ou 2 mois, c'est boum, En fait, c'est plus ou moins au niveau de la disponibilité aussi, vu que je fais des études. D'accord. J'essaye vraiment de trouver le tempo qui peut faire en sorte qu'en même temps, tu ne te fais pas trop oublier. Ouais, oublier. En super. Même temps, tu peux d'accord rester présent. D'accord. Mais c'est très important de toujours amener de l'originalité, sinon. Bien sûr, bien sûr. Après, oui, c'est après, que les gens voient. Oui, ils ne vont pas trop occuper. Donc, c'est à peu près ça. Donc, j'essaie de gérer le timing comme ça. Et souvent, ça tombe bien. D'accord. Ça marche. Alors, nous allons regarder juste en une minute le clip Apocalypse. Voilà. Après, nous allons revenir sur le plateau pour conclure avec l'artiste. Bien sûr. Drinking on a cup, oh. Fucking with the do it, ayy. Dropped you in the dough, oh. Damn, ayy. Bitches and butters get on my face. My nigga back in the building, we gotta stress. Now we gotta move it, ayy. Now we gotta do it, oh. Damn, I just back in the business, we got a space. We turn up on the slow, we got a bass. Now we gotta move it, ooh, damn. Now we gotta do it, ayy. Drop it on the city, go down. Drop it, got a city, we ain't got no 2 time. Flexing on the city, ooh. I'm just running on the paper, damn. Got a business on a song like MGB, the squad with B9. Now we gotta move it, ooh. I'm just taking away the place, baby. We can save my time, I'm just booting, baby. Riding all the way to the gram. Damn, I got a screenshot on my gram. DD got no flash. It's good. I'm just pulling on the banners. I'm just running on the dock. Now we gotta flex it off. Hey, this bitch is sucking the city, get on my face. And turning it slowly, I got a space. Now we gotta move it, damn. Good. Now we gotta move it, ooh. I'm just a crap in the city, we got a baser. I'm taking on city, we got a baser. Now we gotta flex it, no. Yeah. Now we gotta flex it, ayy. Man. Yeah.
Ok, le titre Apocalypse. Apocalypse, c'est un titre qui est sorti en 2018, donc deuxième titre après 24. Oui. Voilà. Donc, alors, la suite des activités. Comme je disais, nous allons communiquer des numéros de téléphone sur lesquels des personnes qui voudront bien sûr t'avoir en prestation. Appelez les gars, parce que c'est un show de malade. D'accord, appelez. Ok, ça marche. Alors, on rappelle que tu es produit par la maison Gonzo Prod, implanté ici au Gabon, c'est ça. D'accord, ça marche. Alors, la suite, Ghost, la suite. Est-ce que tu essaies de voir quand même le futur à venir? Ghost va-t-il se limiter juste au Gabon ou il vise loin? Pour ne pas dire un jour Ghost en featuring avec un Lil Wayne. Parce que j'aurais appris que du côté de State, 3 points de suspension. Bien sûr. Ben écoutez, non, le truc c'est juste que. Bien sûr, il faut toujours viser loin. D'accord. Après, avec ce style de musique, tu te dois de viser loin. Sinon, viser loin. Bien sûr. Effectivement. Voilà, tu as tout dit. Effectivement. Donc, il faut vraiment. Je vise très loin même. Je rêve. D'accord. Mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est Dieu qui est au contrôle, il n'y a rien. D'accord, ça marche. Alors, on sait que tu es du côté du Maroc. Tu as quand même le retour du hip-hop gabonais. Quels sont les artistes que tu kiffes quand même en tant que Ghost? Bah ça va. Il y a quand même des noms que tu peux sortir comme ça, des artistes que tu respectes par rapport à leur. Oui, bien sûr. On peut citer Benjamin FK qui fait aussi quelque chose de spécial aussi. D'accord. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Et bien évidemment, après, si on parle de pur rap, il faut respecter Triss. Triss. Bien sûr. D'accord. Après, c'est vraiment. Après. On écoute un peu de tout. D'accord. Chanel, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on rappelle que l'homme qui était très attendu sur ce plateau, il est bel et bien là. Il est arrivé. Tu es arrivé hier soir, c'est ça? Hier soir, c'était pas trop fatigant le voyage? Si, mais c'est bon. Mais ça fait combien d'années que tu n'es pas arrivé au pays? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ah, d'accord. Bon, ben, c'est pas trop long en plus. Ça va. D'accord, ça marche. Alors, les numéros de téléphone, s'il vous plaît, notez vraiment les numéros de téléphone pour appeler, pour avoir l'artiste. Donc, entrez en contact avec sa maison de production. Donc, vous avez le 06 30 56 37, je réitère. 06 30 56 37. Le 07 11 50 36. 07 11 50 36. Voilà, donc appelez sur ces deux numéros et vous pourriez bien sûr avoir l'homme qu'on appelle Duke, c'est ça. Et on va présenter les membres du staff Gozo Music. Attention, en fait, j'ai un message qui me perturbe ici. Donc du coup, c'est donc dédicace déjà aux membres même de cette maison de prod qui produit l'homme qu'on appelle Ghost. Donc dédicace déjà à l'homme qu'on appelle Obezo Junior, toujours. Dédicace à Duke, dédicace à l'homme qu'on appelle Elvis, et sans oublier Arnaud Lacoste. Bon, je voulais bien présenter ces gars à l'antenne, et bien sûr l'homme qu'on appelle Eddie. Alors Ghost, un mot de fin. Tu es arrivé au pays. Je suis arrivé au pays. Ça t'a fait plaisir de respirer l'air à la gabonaise. On va profiter, ça fait toujours plaisir de revenir au bled, on va profiter au max, et bien évidemment on attend les appels de tous les promoteurs, de toutes les personnes qui veulent un vrai show de malade, ils appellent. En attendant, mon cher John G. Officiel. Je tiens à te remercier pour tout. D'accord. C'est vraiment gentil quand tu es une personne que je porte vraiment à cœur. Merci. Et je tiens à t'offrir ce t-shirt Boom Shaka. Sortie. Elle a été faite. D'accord. Spécialement pour toi. D'accord, ça marche. Ça marche. Mercredi prochain, ce serait sur mon corps. Je vais présenter le spécial hip-hop gabonais avec ce t-shirt. Bien sûr. Ghost Boom Shakala. Everywhere we go. Ok, ça marche. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Juste rappeler les numéros de téléphone qu'il faudrait appeler pour avoir l'artiste Ghost en prestation. Le 06 30 56 37. 06 30 56 37. 07 11 50 36. 07 11 50 36. Appelez. Voilà, appelez sur ces deux numéros. vendredi. Vendredi, vous aurez certainement les coins où Ghost sera déjà calé, parce que c'est que vous êtes nombreux et vous allez vous déplacer. Donc vendredi sur certains, sinon la semaine prochaine, mais aussi dans mon émission radio, je vais vous communiquer les lieux où Ghost sera en prestation. Rassurez-vous. Les numéros de téléphone pour entrer en contact avec l'équipe d'Urbanit, ça se passe au 06 13 34 42. 06 13 34 42, c'est affiché au bas de votre écran, et le 07
87 93 20 07 87 93 20. Voilà, maintenant juste vous dire que la semaine prochaine vous pourriez regarder le tout nouveau son de Aminem sur le titre Arrête un peu. C'est la nouvelle tuerie de Aminem que vous pourriez apprécier la semaine prochaine, dédicace à Asco. Fais-nous un petit texto, un petit freestyle. On te laisse avec le freestyle, tu conclues l'émission et on se dit bye bye à vendredi pour le tour du monde en musique. Gonzo Production, big up. Ok, Apocalypse. Ben, c'est comme tu veux. Trapping on a city, go down. Trapping on a city, we ain't gonna two time. I'm just flexing on a city, oh. Can you write another paper down? Huh? Got no business on a song like, hey, and you beat a squad with Ben I. Hey, goes a pro, turn around, don't you flex on the mic? Yeah. C'est bon, c'est bon. Alors, portez-vous bien. Matt, viens quand même dire bonsoir à toi aussi. On va pas, excuse-moi David, c'est là. La voix du gain, la voix commerciale. D'accord? C'est bon. Donc, merci encore à vous. Merci à tous. Merci à Gozo Production, maison de production de Ghost, de nous avoir permis de recevoir ce rappeur gabonais. Merci encore à toutes. Big up et à vendredi prochain. Super. I don't get your money, nigga. Don't get your money, nigga. Don't get your money, nigga. Don't get your money, nigga.